Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'évangile de Marc en cette pause hebdomadaire. Qu'il est bon d'être ensemble dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Et nous poursuivons cette, cette permettez-moi cet anglicisme. Je sais que vous aimez le français. Hein? Nous sommes en France. Mais euh, on dit des building blocks. On construit ensemble cette série. C'était l'estail où Jésus a dit en, en un mot à la croix, il a dit tout ce qu'on avait besoin. Extraordinaire, que Dieu peut faire ça en un mot. J'ai payé en totalité tout ce que tu as besoin pour régler tout sur ton passé, ton présent et ton avenir. C'est ce qu'on a vu ensemble, vous êtes d'accord avec moi Et je ne peux pas refaire tous les messages. Très beau message aussi de pasteur Mathieu il y a deux semaines et puis on, on continue comme cela. Et a euh, pasteur Sylvain aussi qui a, qui a adressé ce sujet. Et nous en venons à cette révélation dans le Nouveau Testament que l'ancienne alliance demandait une seule chose, si tu obéis. Et Dieu avait dit, il ne faut pas oublier le début de l'alliance. Nous savons que sans alliance, Dieu n'aura aucune relation avec l'être humain. Pour avoir une relation, pour avoir une union, Dieu veut une alliance, Dieu oblige une alliance. Et peut-être que vous êtes chrétien et que vous avez... Très peu entendu prêcher ou enseigner sur l'alliance. peut-être que vous êtes chrétien de longue date et vous dites J'ai jamais entendu. Il y a des gens qui sont venus nous voir, Pasteur Mathieu et moi, qui nous ont dit Nous avons jamais entendu d'enseignement là-dessus. C'est très très rare comme enseignement. Peut-être que vous êtes aussi très nouveau dans la foi. Tu as donné ton cœur à Jésus. Tu suis le Seigneur. Tu aimes le Seigneur et tu dis Mais ben, je, je, en fait, tu le savais pas. Je t'annonce ce soir, tu, tu es dans une alliance avec Dieu. Et Dieu a une alliance avec toi. Il y avait cette condition que aucun homme n'a pu remplir, qui était Si tu obéis. Dieu dit, si vous obéissez, il dit cela à Israël dans, au Sinaï, si vous m'obéissez, je vous chérirai comme un trésor. Mes chers amis, cette promesse demeure. Hallelujah. Dieu promet de te chérir comme son trésor personnel. Mais la condition, c'était d'obéir. L'homme n'a pas pu plus le faire. Jésus l'a fait à la croix et Jésus termine sur son dernier souffle avant de. de, de de, de rendre souffle et de dire entre tes mains je remets mon esprit il termine son travail et il dit payé dans sa totalité j'ai payé pour que tu sois le trésor chéri de dieu donc dans l'ancienne alliance il y a cette condition qui est si tu obéis personne n'a pu remplir cette condition parce qu'on a tous désobéi jésus a obéi parfaitement il a fait le contrat pour nous et à travers les évangiles nous avons vu dimanche qu'à travers la vie de jésus le Seigneur fait deux choses simultanément. Pendant qu'il vit sur terre, notre Seigneur, simultanément, il accomplit toutes les exigences de l'ancienne alliance. Il est parfaitement obéissant à l'ancien contrat que Dieu a demandé. Mais simultanément, dans ses enseignements, dans ses intercations avec les gens autour de lui, Jésus révèle la seule grande condition de la nouvelle alliance maintenant. L'ancienne alliance demandait, si tu obéis, je te chérirai comme un trésor. Jésus l'a fait pour nous et maintenant il y a une seule condition, si tu crois. C'est la grande condition. Prenez Isaïe 53 ce soir, où Jésus, ce fameux texte de, de, de Isaïe qui nous annonçait le Messie, commence en disant, qui a cru à notre prédication Après, le détail. Ce que Jésus. Mais il l'introduit, le Seigneur introduit le Messie dans Ésaïe 53. Il viendra et, et voici tout ce qu'il va faire. Il va donner sa vie pour qu'on soit réconciliables. Mais il commence en disant « Qui croira à cela? » Parce que c'est la grande, unique condition. Dieu ne fera aucun compromis là-dessus. Dieu demande la foi. Alors, ce soir, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous encourager. J'ai un message extrêmement encourageant parce que ça m'a beaucoup encouragé. Donc, j'ai beaucoup de joie à vous partager ce soir. Nous allons explorer une histoire qui paraît négative, mais elle est extrêmement positive dans Marc, le chapitre 9. Jésus descend du monde de transfiguration et. Des, ses disciples ont échoué à, à, à délivrer un, un, un homme d'un mauvais esprit, de ses mauvais esprits. Et quand Jésus arrive, ils sont en plein débat. Peut-être que c'était des Français. Ils sont en plein débat, en fait, entre les pharisiens. On a rappelé les parisiens. C'est en version moderne, entre les, les, les pasteurs chrétiens, pasteur Matthieu débattaient avec des parisiens alors que Jésus est arrivé. Et le Seigneur Jésus arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe et le père se pointe. Le père, lui, il n'est pas dans le débat. Et Le père, lui, il est découragé, il a le cœur déchiré, son fils est lancé dans le feu à droite et à gauche, l'esprit essaie de le noyer, de le tuer, et ça et là. Et il dit à Jésus, voici comment mon fils est, je, je, je vais aller vraiment, vraiment à l'essentiel ce soir parce qu'on a moins de temps. Et il dit à Jésus, mon fils est de cette façon, et là, il va dire quelque chose à Jésus, il dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Maintenant, on peut avoir deux lectures. La première, je, je, je ne l'adhère pas. Ou c'est comme si Jésus était offensé, qui dirait, mais qu'est-ce que tu me racontes Si tu peux, comme si je pouvais pas, je suis Dieu. Dieu n'a pas de problème d'ego. Dieu n'a rien à prouver. Dieu ne fait pas de choses. Jésus n'est jamais venu pour faire du spectacle. Jésus a fait les choses par amour. Il faut toujours... Même si les textes nous paraissent un peu difficiles à lire parfois dans la Bible, il faut toujours traduire à travers le regard d'un Dieu rempli d'amour. Et Jésus arrive et dit, génération incrédule, jusqu'à quand vous supportera, jusqu'à quand serai je avec vous Et je vais vous parler de ça dans un instant. Et puis après, il parle avec cet homme. Cet homme lui dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et le papa répond je crois. Et puis après, il se reprend, il dit viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus guérit l'enfant, libère l'enfant. J'aimerais vous proposer une lecture un peu différente ce soir. En étudiant le texte, pardon moi, je suis un petit peu enrhumé. En étudiant le texte, on peut lire cette histoire d'une autre façon, tout en respectant vraiment le texte, vraiment vraiment. Quand Jésus dit génération, en fait, il utilise un mot qui parle de vivre dans une ère, vivre dans un, une ambiance, vivre dans une génération. On pourrait traduire ⁇ Vous vivez dans une ère sans foi ⁇ Intéressant. Il y a des gens ici ce soir, vous allez retourner dans un contexte où il n'y a pas de foi. Vous allez être entouré de voisins qui ne croient pas, de collègues qui ne croient pas, de gens qui râlent, qui sont négatifs, qui ne croient pas que Dieu peut faire du miraculeux. Et Jésus regarde, il descend du, du, du monde de transfiguration et il dit, génération, en fait, il dit, c'est une ère. C est, c est, vous, êtes, vous êtes des gens, même on, on y arrive dans un instant, mais vous vivez dans un contexte où il n'y a tellement pas de foi. Vous vivez dans une ère sans foi. Quand il dit génération incrédule, en fait, c'est la négation de la foi, dans le grec, c'est sans foi, ne pas avoir de foi. Et Jésus descend de la montagne et il voit des gens qui ne croient pas. Ils débattent, ça blablate, mais il n'y a pas de foi. Et c'est parfois notre contexte. Combien d'entre nous, on veut croire au Seigneur Jésus, on veut voir des miracles, on aspire à voir Dieu faire des grandes choses, mais nous sommes parfois entourés de gens qui ne croient pas. Et dès que tu proclames ta foi, les gens te regardent. Ils ont, ils ont qu'à monter un peu les sourcils et déjà tu commences à baisser ta foi. Et c'est ce que Jésus dit, il dit, vous êtes dans une ère sans foi. Le, le sens du texte signifie aussi, il ne vous est pas naturel de croire. Génération incrédule. Le mot ici, génération en grec littéralement, signifie quelqu'un qui est né de. C est, c est, il y a le sens de naissance. Être né dedans, en fait. Être né de. Vous êtes une génération d'incrédules. C'est pas. C pas je, je, je ne peux pas percevoir mon Jésus en train de le rentrer dedans, en train d'avoir un moment charnel d'impatience. J'en ai marre de vous. Quand est-ce que mon Père va venir me chercher, que je vais remonter au ciel? Je ne peux pas imaginer Jésus comme ça tout ce qu'il fait est inspiré par l'amour de Dieu. En fait, il est pédagogue dans tout ce qu'il fait et quand il leur dit vous êtes une génération incrédule, en fait, vous êtes né dans l'incrédulité. Votre nature humaine charnelle, j'aime bien cette traduction sommeur qui dit de la Bible qui dit l'homme livré à lui-même. L'homme, j'aimerais vous annoncer ce soir, l'homme sans Dieu livré à lui-même ne peut pas croire. Nous ne pouvons pas croire. Mais là, ben, parce que Christian, on est mort. L'ancienne alliance, c'est si tu obéis, on a tous obéi. La nouvelle alliance, c'est si tu crois, et là, ce soir, tu dis qu'on ne peut pas croire. Oh, Laisse-moi aller jusqu'à vous. Pas, ce n'est pas naturel de croire. Et après, il se tourne vers cet homme et dit, tu me demandes si je peux, mais je te renvoie la question. Si tu peux faire quelque chose, Jésus, imaginez Jésus rempli d'amour qui lui renvoie la question. Si tu peux, moi, je peux guérir l'enfant. Mais est-ce que toi, tu peux croire? Puis écoutez-moi bien ce soir. Nous arrivons au centre, à l'épicentre ce soir de la Nouvelle Alliance. Le nœud de la Nouvelle Alliance, le nœud de tout blocage dans la vie chrétienne. Nous n'arrivons pas à croire. Nous avons un blocage. Humainement, c'est impossible de croire, on a besoin que Dieu nous aide à croire. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? On a besoin de la foi. On a besoin que cette foi qui vient de Dieu. Et quand le Seigneur dit à cet homme, si tu peux toi croire, en fait c'est pédagogue ce qu'il fait. C'est très très pédagogique. Au début il dit, vous êtes cette génération, vous n'arrivez pas à croire en fait. Et puis il dit à cet homme, si tu peux, et regardez sa réaction, qui est toujours de l'ancienne alliance. D'accord avec moi ce soir. L'ancienne alliance, c'est l'homme, Dieu dit à l'homme, si tu pratiques la loi de Moïse, je vais te bénir. Et l'homme, ah ben je vais essayer. Et regardez la réaction de l'homme, ici le papa. Si toi tu peux croire, je crois. Ah non, je ne crois pas vraiment. C'est ce qu'il dit en fait. Mais le Seigneur voit quelque chose que nous ne voyons pas ce soir. Il voit le cri d'un homme désespéré. Il est à bout. Il n'en peut plus de voir son enfant souffrir comme cela. Et vous savez, c'est la jonction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est la fin. C'est quand tu es au bout de toi-même. C'est quand on n'en peux plus. Mais plutôt que de jeter l'éponge, comme on dit, et de partir et, et d'aller dans l'incrédulité et vivre ta vie sans Dieu, tu dis Seigneur, je ne sais plus comment je vais faire, mais je viens à toi. Je suis au bout de moi-même, mais c'est Jésus qui est au bout de toi-même. Au bout du chemin, c'est Lui qui est là. Et cet homme, en fait, Jésus lui dit, cet homme, il n'en peut plus. Et c'est très intéressant parce que ça dit, il va s'écrier. Et dans le grec, c'est le, le mot qui est utilisé pour le cri d'un corbeau. Le cri d'un un, un, un cri qui est désagréable à entendre. Un cri qui sonne mal à l'oreille. Donc, tu peux imaginer la scène, la foule, l'enfant qui est là, Jésus, l'homme qui parle avec ce papa qui parle avec Jésus. Et, et tu peux vraiment imaginer tout à coup cet homme crier sa douleur devant Jésus. Je ne vais pas faire du théâtre ce soir, je ne vais pas essayer de le mimer, mais vous pouvez bien l'imaginer. Jésus lui dit, si tu peux, il va, il va crier sa douleur. Oh! Oui, je crois. Puis après, il vit quelque chose parce que le Seigneur est en train de travailler son cœur, comme il travaille le tien, le mien ce soir. Il va dire Viens au secours de mon incrédulité. Et le sens ici, c'est qu'on pourrait traduire ainsi Le père crie ce cri aigu, et puis il dit à Jésus Viens, parce que le mot qui quand il dit Viens secourir mon incrédulité. C'est un mot qui est médical. Viens soigner ma foi. Viens la guérir. J'aimerais croire. Je suis comme si... Ma foi est comme, ma... Ma... Si... si la foi est des jambes, j'aimerais me lever, mais j'y arrive pas. J'aimerais croire, mais je doute. Ça s'est déjà arrivé? Moi, je suis là, hein? Je me vois très bien dans cette histoire. Seigneur, je veux y aller avec toi, mais j'y arrive pas. Et dès qu'il y a cette attitude, le Seigneur guérit l'enfant. J'aimerais vous parler ce soir de la puissance de la repentance. En quelques minutes. Pas une repentance des choses immorales. La repentance de notre manque de foi. La repentance d'arrêter d'essayer de croire de façon charnelle. Écoutez-moi bien ce soir, je vais vous donner une phrase qui vient du ciel, parce que je commence à la vivre avec ma femme. Quand j'arrive au bout de ma foi charnelle et que je ne la veux plus, cette foi charnelle, je vais vous expliquer dans un instant c'est quoi la foi charnelle, eh bien, je commence à goûter la foi spirituelle. Quand j'en ai assez de forcer une foi humaine et terrestre, eh bien, je commence à vivre et goûter une foi qui est céleste. Et la seule chose que Dieu demande, c'est de la repentance. C'est de dire que tu avoues, Seigneur, je n'arrive pas à croire. Vraiment, j'ai des doutes. Je suis au bout de ma vie. Je, dès que je me... F... Ce n'est pas naturel, c'est ce que Jésus leur dit au début, ce n'est pas naturel pour vous de croire. Vous, vous êtes une génération vous êtes inné, vous êtes né dans le doute. Et Dieu sait que l'homme sans Dieu n'arrive pas à croire. Tu ne peux même pas devenir chrétien sans l'aide de Dieu de toute façon. La Bible dit ⁇ Nul ne cherche Dieu ⁇ Tu ne pourras pas marcher avec Dieu sans l'aide de Dieu. Jésus savait qu'il ne pouvait pas croire. Alors il le conduisit à la repentance de son manque de foi. Ce soir, nous sommes au centre, à l'épicentre de l'enjeu le plus important de notre vie chrétienne. Tout est possible à celui qui croit. Mais est-ce que tu peux croire Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Non, 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 non. C'est toi tu peux croire. Car tout est possible à celui qui croit. Mais la vraie foi n'est pas une automotivation charnelle, humaine et terrestre. La vraie foi est une grâce de Dieu. Et Dieu l'accorde à ceux qui s'humilie devant lui et qui dit, je n'y arriverai pas, Seigneur. Aide-moi à croire. Alors le Seigneur l'a fait. Vous êtes avec moi ce soir? Je vais sauter mes notes, je vais aller euh, un petit peu plus loin. La Maintenant, qu'est-ce que la repentance? Si elle est si importante, qu'est-ce que la repentance n'est pas? La repentance n'est pas un apitoiement sur soi-même. Je ne suis pas en train de vous dire ce soir de vous faire mal. De, de vous détester, de vous culpabiliser. La vraie repentance n'est pas une dégradation de soi. La vraie repentance n'est pas une tristesse sans espoir. La vraie repentance n'est pas de glisser dans le découragement. La vraie repentance n'est pas un simple regret. Il y a deux mots pour repentance dans le Nouveau Testament qui sont très intéressants. Et le premier est à éviter. C'est le mot... Que, qui exprime ce que Judas a fait lorsqu'il a vendu Jésus, qu'il a vu ce que les pharisiens ont fait avec Jésus, la Bible dit, « et Il regretta, mais il alla se pendre. » Ce n'est pas ça, la repentance. Ce n'est pas juste de regretter les choses. Alors, il y a des gens qui vivent avec beaucoup de regrets sans jamais se repentir. Judas ne s'est pas repenti. Il a regretté, mais c'est pas repenti. La vraie repentance, hallelujah, d'abord et avant tout, elle a été annoncée dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas dire les choses trop rapidement ce soir. Il faut prendre le temps pour bien les comprendre. Je, je vais super rapidement pour vous. Dans Ésaïe 40, il est annoncé... On va y aller, on va y aller. On va y aller. Allez, tournez avec moi. Ésaïe 40, rapidement. Tout début du texte. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parler au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. Donc, le combat est terminé, Jésus a tout accompli à la croix. Impressionnant. Hein? Que sa faute est expiée. Mais c'est la croix, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. C'est la croix. Donc, le verset premier, c'est la croix. Le verset deux, c'est après la croix. Donc, même si Jésus a tout accompli à la croix, il reste quelque chose à faire. Regardez bien. Une voix crie dans le désert, ça c'est Jean-Baptiste. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides, que toute vallée soit comblée, toute montagne, toute colline soit abaissée. Ce qui est tortueux doit être redressé, les endroits rocailleux aplani. alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Regardez-moi ici un instant. Regardez-moi bien, c'est très important. Ça, c'est les voix de ça, c'est la nouvelle alliance. Le salaire de tous ces péchés a été payé. Donc, la nouvelle alliance a été conclue. Comment ça marche dans la nouvelle alliance Un chemin doit être fait. Un chemin dans ton cœur. Un chemin doit être aplani dans ton cœur pour que Dieu amène le miraculeux. Il y a des années, j'étais sur Haïti, missionnaire. J'ai fait plusieurs voyages missionnaires sur Haïti. Il y avait une, il y a, il y a une route nationale, je peux commencer aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une seule route nationale. Elle était chaotique, il y avait des trous, il fallait passer en 4-4, x on ne pouvait pas passer en voiture. Et un jour, je suis retourné pour préparer un voyage missionnaire avec une équipe, et je suis arrivé sur un, la route nationale goudronnée, nivelée, parfaite. Les Haïtiens étaient enchantés, ça roulait à 100 km/h. Ça partait comme des flèches dans tous les sens. Je suis monté jusqu'au Gonaïf, c'était extraordinaire. Et là, j'ai dit au pasteur Haïtien qui était avec moi, « Comment ça se fait qu'ils ont refait la route ?» Il dit, « Le président est passé. » Ah, quand le président prend la route, on fait la route. Et ça m'a marqué cette histoire. Parce que c'est ce qu'il dit dans Ésaïe. « Avant que le roi vienne, il faut refaire la route. » Jésus a tout accompli à la croix, mais nos cœurs sont remplis de doutes, d'inquiétudes de mauvaise mentalité, de mensonges, des choses qu'on a crues qui sont encore là. Et la nouvelle alliance peut pas venir jusqu'à toi, jusqu'à toi encore. Il faut niveler la route. Il y a un travail qui doit être fait. Et c'est quoi ce travail? Il y a un travail de foi qui doit être posé dans mon cœur. Et lorsque et c'est quoi ce travail? C'est lorsque je me repens, la vraie repentance, Seigneur, enlève de ma vie mes doutes. Enlève de ma vie. Viens, viens. Tout ce qui... Et voyez-vous, Jésus voulait tellement les aider. Quand Jésus vient, et à un moment donné, il leur dit, il dit, il dit jusqu'à quand vous supporteras-je Il ne faut pas le prendre mal ce soir. Le mot qui est utilisé par notre Seigneur, c'est le mot fardeau. J'ai un fardeau, en fait. Vous me bloquez. J'aimerais tellement vous aider plus, mais. Quand il dit jusqu ⁇ Jusqu'à quand vous portera Jusqu'à quand serai-je avec vous ?⁇ c'est J'aimerais faire plus, mais le chemin est tellement chaotique je n'arrive pas à passer. Et là, Isaïe 40 dit ⁇ Une fois que l'alliance est scellée à la croix, il faut niveler la route. Il y a une seule façon, la repentance. Seigneur, ma foi est une route chaotique sur laquelle Dieu ne va pas passer. Viens mettre la vraie foi dans mon cœur et là le Seigneur peut passer. Vous êtes avec moi ce soir? La vraie repentance, c'est une préparation qui a été annoncée dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, parce que là c'est le texte de Jean-Baptiste. On annonce Jean-Baptiste, Jean-Baptiste vient faire un travail. Regardez ce que Jean-Baptiste prêche. Il ouvre la bouche et il dit, repentez-vous. On n'aime pas ça. Repentance. Mais en grec... Il dit, pensez différemment. Je dois changer ma façon de penser pour que le Seigneur puisse venir et agir dans ma vie. Le Saint-Esprit doit d'abord venir traiter. L'incrédulité chez Christian Robichaud, les doutes chez Christian Robichaud, les questionnements, les ceci, les cela, les blessures du passé, les peurs et tout. Et le Saint-Esprit doit venir traiter de ces choses. Il doit m'amener à un endroit dans ma vie où je dis Seigneur, je n'arrive pas à croire. Viens au secours de, de, de ma foi humaine. Et là, le Seigneur vient. Hallelujah. Il guérit l'enfant de ce papa. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que nous sommes en train de voir ce soir. Euh, Jésus prend le relais au début de son ministère. Dès que Jean-Baptiste, regardez l'histoire, dès que Jean-Baptiste est emprisonné, la Bible dit, Jésus se lève et dit, repentez-vous. Impressionnant. Hein? Il faut que nous comprenions ce soir à quel point la repentance est la clé de la nouvelle alliance. Lorsque j'ai un cœur repentant et je dis Seigneur aide-moi à croire, n'arrive pas sans toi. Pardonne-moi Seigneur, le Seigneur vient agir dans ma vie. Hallelujah, il fait des choses extraordinaires. C'est le grand travail que le Saint Esprit vient faire dans nos vies, qui a été annoncé par Jésus lui-même. Jésus a dit, il convaincra le monde de péché. Pourquoi Pas parce qu'il est immoral, même si c'est très important la moralité, mais ce n'est pas le contexte, si ce n'est pas le texte. Il ne faut pas que vous pensiez qu'il est écrit il convaincra le monde de péché parce qu'il vit dans la débauche. Ce n'est pas ça du tout que Jésus a dit. Il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas. La foi. La foi. Hallelujah. Convaincre vient du mot vaincre. Le Seigneur doit vaincre ma foi charnelle pour me donner une foi spirituelle. Il doit me vaincre. Il faut que j'arrive au bout de ma vie. Je dis, Seigneur, je rends les armes, je serai plus. <laughs> Regardez. La foi charnelle est momentanée, la foi spirituelle est continuelle. Pierre fait quelques pas sur l'eau, mais Jésus a traversé le lac. Ah uh ah! -huh. Ça fait réfléchir, hein? on a des moments de foi. Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Viens, Pierre. il marche. Et dès, voyez-vous, la, la foi humaine, elle n'a pas de problème quand tout va bien. Mais Pierre se mit à, et même en grec, ça dit, à ressentir le vent, les vagues. Ouh! Fou! Il coule direct. Ça, c'est la foi de Christian Robichaud. C'est la foi humaine. Mais Jésus, lui, il regarde Pierre couler. Jésus est toujours sur l'eau. <laughs> C'est extraordinaire. <laughs> Et il l'aime. Il ne l'accuse pas, il ne le condamne pas. Il lui met pas un petit coup de plus pour l'enfoncer. <laughs> Jésus lui prend la main. Il dit quoi? Homme de peu de foi. Tu ne peux pas croire. Mais le Saint-Esprit va venir en Pierre. Et il va faire de lui un homme qui va marcher par la foi. Amen. Quand Dieu trouve un homme qui arrive au bout de sa foi charnelle, qui dit, Seigneur, donne-moi la vraie foi qui vient du ciel, le Seigneur le fait. Et le Seigneur donne une paix qui est surnaturelle. Tu avec moi ce soir? Peut-être que tu es ici ce soir et ça fait si longtemps que tu espères en Dieu. Pasteur, ça fait tellement longtemps que j'espère que Dieu m'aide. Et le temps passe Dieu ne répond pas. Je, suis, je me sens comme ce papa. Les années ont passé et le temps a eu raison de ta foi. Parce que parfois même, on peut avoir la vraie foi que Dieu nous donne, mais on peut la négliger, ne pas la nourrir, ne pas la fortifier. Et à un moment donné, elle, elle s'étiole. La foi de Dieu. Elle doit être gardée, elle doit être nourrie. Pasteur, qu'est-ce qui me dit que ce soir, alors que ce n'est pas une grande convention internationale avec des hommes de Dieu qui viennent d'une autre galaxie avec des superpuissances, Marvel, dans une simple petite réunion de prière au cœur de Paris, qu'est-ce qui me prouve, pasteur, que ce soir ça pourrait changer? Pourquoi est-ce qu'une simple prière pourrait tout faire basculer? J'aimerais te dire ceci ce soir. Parce que Jésus est vivant. Amen. Jésus n'a pas besoin des apparats de ce monde. Il fait les choses dans le secret. Il fait les choses, il fait l'impossible. Quand il trouve un cœur qui arrive. Le vrai timing, là. Ce n'est pas lorsque toutes les étoiles sont alignées. C'est pas... Vous savez, il y a une mode à un moment donné, c'était. Le 20 du 20 de 2020 de machin, de je ne sais pas quoi, il va, il va s'accomplir des prophéties. Et puis, on a tous attendu cette date et c'est rien passé. La date la plus importante, ce n'est pas la date space un peu bizarre alors que tout le monde attend. La date la plus importante, c'est la date où toi, tu arrives au bout de ta foi charnelle. Dieu t'attend là. C'est la date où le papa, après tout ce qu'il a tenté pour sauver son fils... De son démon, qui est arrivé au bout de lui-même et qui a crié, qui a dit Je crois, mais je ne crois pas, en fait. Mes chers amis, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, parce qu'il a dit tout haut le problème de tout le monde Je n'arrive pas à croire. Il a réjoui le cœur du Père. Enfin, j'ai trouvé un homme, au bout de ses efforts charnels, à essayer de croire par ses propres forces et qui me demande de l'aider. C'est pas beau ça. Dieu n'attend que ça. Hein? Il a demandé l'aide où elle est le plus nécessaire. Viens au secours de ma foi. C'est le help, c'est le SOS le plus important que tu peux pas demander à Dieu. Écoutez-moi bien ce soir. Le moment le plus dangereux de la vie de l'apôtre Pierre, c'est lorsqu'il a renié Jésus. Mais Jésus lui a dit Mais j'ai prié pour ta foi. Jésus savait qu'il allait chuter. Je ne suis pas en train de dire ce soir que Dieu aime qu'on chute et que. Non, 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 non. Mais Jésus, Jésus savait qu'il était inévitable qu'il chute. Il a dit le Seigneur, en plus. Il dit, « On va frapper le, le berger, les brebis vont disperser. C'était inévitable. Jésus a dit Il a le plus important, l'essence de tout, le centre de toute la nouvelle alliance, le cœur de toute ta marche avec Dieu, c'est ta foi. J'ai prié pour ta foi. Alors quand ce Père de famille crie à Jésus et lui dit, c'est un terme médical qu'il a utilisé, viens soigner ma foi, viens guérir ma foi, viens aider ma, viens secourir ma foi. Il a prié une, une prière qui a ouvert le ciel, que le Père céleste attendait, et Jésus a guéri l'enfant. Hallelujah! Terminant ce soir. Deux témoignages vrais que j'ai vus dans ma vie. Un homme que j'ai connu <coughs> avec ma femme, un couple, un très beau couple qui aimait servir le Seigneur, son épouse était frappée par un cancer. Sur son lit de mort, les dernières paroles, il s'achante sur elle. Il, 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 presque il frappe. Sa, Seigneur, guéris ma femme, guéris-la, 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 Seigneur, et tout. Et sa femme lui répond. Non. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je vais avec lui. Je vais auprès de lui. Elle lui dit, je suis en paix. Laisse-moi partir. Et il m'appelle. J'étais en, en live avec eux, avec lui. Et lui, non. Et sa femme décède devant lui. Il la, il met, il la frappe avec sa main et il pleure devant toute sa famille et ses amis. Seigneur, tu peux la ressusciter. Ça, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, je prie de ne jamais avoir une attitude comme ça. Parce que sa propre épouse lui dit, le Seigneur m'a parlé, il vient me chercher, je suis en paix, elle souffre et elle sourit et elle lui dit, laisse-moi partir. Et lui dit, non, je veux une guérison. Il y a une autre fois. Une femme que j'ai vue, elle de la Réunion. Avant que je prêche, elle est venue sur l'estrade. Le médecin lui dit :« Vous allez mourir, vous allez avoir, vous avez un cancer, vous allez décéder, vous allez partir. » Elle rentre chez elle, elle se place devant Dieu. Elle dit :« Seigneur, quelle est ta volonté ?» Ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot, c'est toi. Et le Seigneur lui dit :« Je vais te guérir, tu vas vivre. » Le médecin dit :« Non, vous allez mourir. » Elle sourit au médecin, avec beaucoup de respect. Elle dit rien. Et le Seigneur l'a guéri. Et je la regardais comme ça. Quelle est la différence? Une foi humaine, une foi de l'humain, une foi du divin. On ne peut pas lutter avec Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu dans tout ce que nous vivons. Et Dieu nous parle. Dieu nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et quand on est vraiment, vraiment au bout, qu'on dit Seigneur, ce que je veux, c'est la foi qui vient de toi. Le Seigneur la donne. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Je crois, puis il crie, viens guérir ma foi. Et Dieu guérit sa foi. Amen. La foi, c'est pas une baguette magique. Hein. On va pas dire à Dieu quoi faire. Hein. La foi, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Je n'ai pas le temps ce soir, mais beaucoup, beaucoup de textes du Nouveau Testament sont très, très clairs. La foi, c'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu. On le verra dans les prochaines semaines. Mais ce qui est beau, c'est que notre foi peut grandir. On peut aller plus loin dans la foi. Notre foi peut se fortifier. Notre foi peut s'agrandir. Mais il faut venir comme cet homme, humblement, cette vraie repentance qui dit, Métaneo, change ma façon de penser, Seigneur. Et le Seigneur va le faire, parce qu'il t'aime. Et il attend juste que tu te places devant lui, que tu dises, je reconnais, Seigneur, je manque de foi, ma foi est malade. Je, je, Seigneur, au secours, viens guérir ma foi. On peut faire ça ensemble ce soir avant de se quitter? On se lève ensemble? Sans musicien, sans faste, sans spectacle, sans susciter aucune émotion, de quelque façon manigancée. Juste, fais juste un instant avant qu'on se sépare ce soir. Juste ferme les yeux où tu es. Lève ton cœur vers le Seigneur Jésus. Hallelujah. Lève tes mains si tu veux bien. Comme un enfant qui s'abandonne à son Père Céleste. Et dis au Seigneur Jésus, comme ce papa, ce père de famille. Seigneur, je reconnais ce soir, Seigneur, mon manque de foi, Seigneur. Comme cet homme, quelle belle prière. Je crois, mais au secours, viens au secours de ma foi. Dis-lui ce soir, viens guérir ma foi, Seigneur. Dis-lui, viens toucher. Les, les sphères de ma vie où je doute, les sphères où je n'arrive pas à croire, Seigneur. Tu veux tellement, tu souff... c'est un fardeau sur ton cœur que je n'arrive pas à plus te croire. Tu veux que je grandisse dans ma foi, Seigneur. Tu veux que je marche par la foi. Tu dis, le juste vivra par la foi, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, avant qu'on se laisse, Seigneur Jésus, avant de rentrer à la maison ce soir, Seigneur, je prie pour ma foi, dis-le, Seigneur. Seigneur, viens aider ma foi, Seigneur. <coughs> viens, Seigneur, je ne veux pas une foi qui est charnelle, je ne veux pas une foi qui est forcée par mes propres forces, Seigneur. Je veux un vrai dépôt de foi. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ma foi ce soir. Fais-la grandir, Seigneur. Fais-moi grandir dans ma foi, Seigneur. Je ne veux pas une foi qui dépend des circonstances. Je ne veux pas une foi qui dépend de l'ambiance ou si y a de la musique autour de moi ou ceci ou cela. Une foi qui dépend encore que quelqu'un me booste. Non, je veux une vraie foi qui est un dépôt de Dieu. Hallelujah. Et Seigneur, je reconnais, dis-le en terminant Seigneur, je reconnais que je vis dans un monde, dans une ère où il y a si peu de foi autour de moi. Comme Jésus qui descend du Mont de transfiguration, qui dit génération incrédule, une ère d'incrédulité. Vous êtes, c'est comme un, c'est un peuple, c'est une ambiance où il manque tellement de foi. Seigneur, je vis dans une génération où il y a si peu de foi. Je vis dans un entourage où il y a tellement de doutes. Seigneur, si peu de foi. Mais Seigneur Jésus, ce soir, j'ai dit, Seigneur, fortifie ma foi. Hallelujah. Car si tu étais avec moi, qui sera contre moi, Seigneur Jésus? En ton nom, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à la maison. Merci. Hallelujah. Gloire à Dieu.